Allô? Allô? Calmez-vous! Allô? Ça suffit! Allô, bonjour! Bonjour, mesdames, messieurs! Bonjour! Allô, merci Mirella pour le deuxième mois d'abonnement. Oui, j'ai 30 ans. J'ai 30 ans, je suis vieux. Merci Vente pour les 100 bits. Bonjour tout le monde! Bonjour Rourou, bonjour Vente, bonjour Hiroaki, bonjour Mirella. Bonjour tout le monde! Comment allez-vous? C'est Kingdom Hearts 2! Ah! Ah! Au secours! La hype! À l'aide! J'ai chaud de hype! OMG! Bonjour! Bonjour, pardon! J'adore cette musique. Les musiques de Kingdom Hearts 2 sont incroyables, vous allez pouvoir le voir enfin, j'arrête pas d'en parler! Depuis des lustres, depuis ce putain de Chain of Memories, qu'on a enfin réussi à terminer, j'arrête pas de parler de Kingdom Hearts 2, c'est aujourd'hui putain! Ça y est! OMG! Pardon. Désolé. Allô? Allô? Oui, peut-être que ce jeu me m'atteint trop. Peut-être. Allô? Ah! Avant qu'H2 n'oublie pas la pause lecture. C'est vrai, il nous reste des petits trucs à lire sur Chain of Memories avant d'attaquer Kingdom Hearts 2, mais ça va prendre pas longtemps. Je vais tracer. Je vais complètement tracer. Parce que c'est semi-important. C'est semi-important. Cette couleur de cheveux est aussi belle sur Twitch que sur Insta, merci beaucoup. Je l'entretiens énormément, c'est faux. C'est faux. Les racines sont jaunes, hein. Je vous le dis. Magnifique. Le monsieur est toc-toc de hype. Un peu! Un petit peu. Et puis je suis pas beaucoup réveillé moi non plus, en vrai, hein. On va pas se mytho que je suis debout depuis moins d'une heure. J'ai littéralement envoyé le message disant 14h30, je sortais du lit. Donc le réveil est peu consommé. Ça, c'est le deuxième café. Mais j'ai juste trop envie de jouer en fait. C'est juste le gigafeu. Mais oui, fais un effort, Hiroaki, putain. Tu vas me donner envie de refaire tout cash, c'est foutu. Je sais pas si c'était pas le but, hein. Petit bol de céréales, Hiroaki, let's go, let's go. C'est pas comme si ça t'avait été proposé de redevenir bleu. Mais si, mais justement! C'est rigolo comme ça! On voit toutes les étapes. Jean-Michel, déchéance des cheveux, quoi. Salut l'Ifranox! Ripricupette! Quoi? Quoi? Ah ouais, c'est Ricoujupette, mais Ripricupette. 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 Allô? Et bonne fuite, l'Ifranox. Il ne fait que passer. Tel un fantôme comme ça. Tu vas rater le début! L'Ifranox, reviens! Bon, comme l'a dit Vente tout à l'heure, il nous reste des petites lectures à faire sur Chain of Memories parce qu'on n'avait pas fini de lire l'intégralité du carnet de Jiminy Cricket. C'est honnêtement peu important ce qui reste, mais histoire d'être exhaustif, on va le faire quand même. Ça laissera le temps aux gens d'arriver. Genre, je pense à 15h, c'est fait, et on peut attaquer KH2 tranquille, le temps que les gens arrivent. Voilà, tranquillou quoi. Je vais tousser fort. Merci à vous. Bon, j'ai pas envie de préambuler plus, parce que voilà. La vie, finalement. Écoutez-moi cette musique. Je vous spoil des tracks. Des tracks hyper importantes en plus. Mais je m'en fiche. C'est pour vous faire monter la hype aussi un peu. Quand même. Hihihi!
Pardon, attendez, je vais réduire un peu ma cam parce que je l'avais grimpouillé pour Aladdin, mais on peut la descendre un peu. Voilà. Faut pas que ça prenne trop de place. Bon, on va se lancer dans celui-ci. Hein. On squeeze celui-là pour le moment. Mais on a vite fait des trucs à voir là-dedans. Le temps que ça charge, je vous laisse la musique. Quand j'étais petit, j'ai fait énormément de rêves conscients sur cette musique. J'ai imaginé beaucoup d'aventures de moi-même me baladant avec une Keyblade quand j'étais petit. On fera une soirée ciné pour 358. Ouais, pourquoi pas, faut que je regarde comment ça s'articule à l'intérieur du jeu. Mais ça peut être intéressant, ouais. Chaque moment, à partir de maintenant, sera dantesque. Peut-être que je suis pas objectif. C'est possible. Je veux dire, même l'écran titre a une musique. C'est déjà bien. Ils sont mignons tous les deux. Mais qui est ce deuxième personnage, enfin? Pour faire rire les enfants qui adorent les histoires de prout et de caca, et faire rire les adultes qui les lisent aux petits. C'est une bonne strat. Nouvelle partie, mesdames et messieurs. Écoutez-moi ça, putain. Allez. Le premier, je l'avais fait en normal, hein. On est d'accord, je me suis jamais foutu des défis sur Kingdom Hearts. Toutes les fins sont accessibles. Fin secrète, un peu plus accessible. Fin secrète, beaucoup plus accessible. Mais non, mais moi, je veux le faire en normal. Attends, mais... Seule la fin normale est accessible. Toutes les fins sont accessibles, donc il y a la fin secrète en normal. En fait, il y a une fin secrète qui est débloquée quand tu fais le jeu, quand tu réussis certains objectifs pour se rapprocher du jeu à 100%. Faut le 100%. De toute façon, je vais le 100%. T'es pas assez fort pour être maître. Alors si. Mais je ne sais. En fait, je veux pas me faciliter. Ça me sert à rien de me faciliter l'accès à la fin secrète. Parce que je vais le faire à 100% de toute façon. La question c'est, est-ce qu'on se met un petit peu de défi quand même en se mettant en expert ou pas? Et quelle fin secrète en plus, ouais. Qu'est-ce qu'on fait? Depuis le début, je suis que en normal, hein. Allez, c'est le 2. C'est le 2, je fais un effort. Accrochez-vous à vos slips. A scattered dream that's like a far-off memory. A far-off memory that's like a scattered dream. I want to line the pieces up. Yours and mine. Onward and loose, Capra, open up.
Putain, ça me met les poils. OMG. Et merci pour le follow, Nasrochiali. Salut, bonjour. Bonjour, bonjour. Non, la Switch. You have arrived. I've been to see him. Il te ressemble beaucoup. Ah ! Pardon. I'm what's left. Or maybe I'm all there ever was. My name is of no importance. What about you? Do you remember your true name? Sora? Meilleur jeu, meilleur jeu, meilleur jeu! Pardon, ça a même pas commencé, désolé. Whoa! Give me a break, I... Salut Darkor. Giving up already? If there are any other worlds out there, why did we end up on this one? This world has been connected. Who's there? Tied to the darkness. Sora, don't ever change. The door has opened. What? You understand nothing. Sora... Another dream about him. Mais c'est la fameuse cité du crépuscule. Ce monde inconnu découvert dans Chain of Memories. Et qui est ce personnage mystérieux, OMG ? Aboubou ! Le premier jour. Man, allez, je reviens. Does that tick you off? Yeah, that's just wrong. The cipher's gone too far this time.
I mean, it's true that stuff's been stolen around town, and we've got a score to settle with Cypher and everything. So, if he wants to think we did it, I can't really blame him. See, that's not what really bugs me. What really bugs me is that he's going around telling everybody we're the thieves. Now the whole town and their mothers are treating us like the Klepto Club. Have you ever been this ticked off before in your life? Cause I haven't. Nuh-uh. Never. Now, what to do? We could find the real thieves. That would set the record straight. Hey, that sounds fun. What about Cypher? First, ça va aller, Joaquin, détends-toi. Once we find the real culprit, everyone will get off our backs. Oh no! They're gone! Are gone! De quoi? What? All are gone? Huh? You can't say... why not? But you do understand what I'm saying, right? Our... are gone. Stolen. And not just the... the switch. The word. They stole it, too. What kind of thief is that? Les voleurs ont volé un mot, OMG. Yeah, alright. Time for some recon. Let's go, le jeu. OMG. Monsieur. His heart is returning. Doubtless he'll awaken very soon. Le réveil de qui? Mais qui dort? Tatatin. Je vous fais vous poser les bonnes questions. Je serai votre guide dans cet univers. Roxas, come on. Roxas. Je peux enfin prononcer son nom sans spoiler, putain. Ah, OMG. Manette en main, let's go. Mais où est Sora? Si tu as oublié ce que tu dois faire, appuie sur plus pour vérifier ton objectif. Oh mon dieu, on a des objectifs. Mon objectif, c'est de me déplacer. Incroyable. Je me déplace. Bon, ça va vous? Vous êtes chaud? Vous êtes ready? Ready to go? Nous sommes à la cité du crépuscule. Qu'on a vu du coup dans Chain of Memories, qui est un monde. Je vous rappelle la phrase de Deez quand il a donné la carte à Sora. Il a dit, elle est créée par la face cachée de ton cœur. Voilà. Je pose ça comme ça. Et au passage, on va faire un petit clap-clap pour remercier Nazro Chiali de son follow, parce qu'on était en pleine cinématique. Merci beaucoup pour le follow. Merci énormément. Et bonjour à Darkor. Allez. Here we go again. En sautant, tu peux t'agripper à certains rebords et te hisser pour atteindre les endroits autrement inaccessibles. La face cachée du cœur de Sora, c'est Roxas? Je ne sais pas. Commençons notre enquête. Salut Roxas. Je ne vous aurais jamais cru capable d'une chose pareille. On n'a rien volé du tout. J'aimerais pouvoir te croire, mais... qui d'autre aurait pu voler ça? Énormément de gens, bolos. Voler quoi? Comme si vous ne le saviez pas. Allez donc à la joaillerie, la vendeuse vous expliquera. On est dans un tuto, hein. C'était donc une carte piège, une carte face cachée. Vas-y Roxas, demande-lui. Les commandes réaction te permettent de réaliser différentes actions en fonction des circonstances. Approchez-vous de la joaillerie pour faire apparaître la commande parler, puis appuyez sur X pour parler à la vendeuse. Oh mon dieu, des PNJ! Il y a de la vie dans cette ville, ils sont au moins deux. Pour faire des achats, il te faut des munis.
Si tu as besoin d'argent, tu n'as qu'à jeter un coup d'œil aux petites annonces. Oh, des petites annonces. Et toi, Bolos? L'organisateur du tournoi de Struggle n'y va pas de main morte avec ses employés. J'en ai pour des heures à coller des affiches autour du circuit du tram. Il y a un tram, OMG. Le meilleur moyen de collecter des infos, c'est de parler à tous les gens que tu croises. C'est ce que je fais. Si tu vois en ville un endroit qui t'intrigue, n'hésite pas à aller y jeter un coup d'œil. Tu y trouveras peut-être des renseignements. Commençons notre enquête en parlant à la joaillière. Joaillière. Il a oublié. Ouais, Naminé m'a fait oublier mes souvenirs. Tu sais pas, mais t'as déjà fait le jeu, non? Je ne sais pas à l'heure actuelle. En fait, je bien évidemment que je sais, Liato. Mais je me mets à votre place en mode actuellement, je ne sais pas. Je fais des trucs avec mes bras. Bien sûr que je sais. On connaît toujours pas le nom de ce trio to mimes, c'est vrai. Bienvenue! Les commandes réaction apparaissent en toute occasion et sont très utiles. Utilise-les le plus aussi souvent que possible. Je sais que tu sais. Je sais que tu sais que je sais. Oh, c'est toi, Roxas. Tu m'as beaucoup déçu. Dire que tu étais l'un de mes clients préférés. Je suis pas un voleur! Bien sûr. Je déteste être accusé à tort. Alors prouve que tu n'es pas coupable. Cette affaire étonne aussi la propriétaire de la confiserie. Faut aller voir tous les magasins de la Terre ou quoi? Je me souvenais pas de ça. Il y a des choses que j'ai oubliées, OMG. Roxas! Tu n'aurais pas vu mon chat? Je le vois actuellement, oui. Utilise R pour déplacer la caméra et ensuite R pour ramener la caméra à sa position initiale. Appuie sur R pour verrouiller une cible que la caméra suivra automatiquement. Verrouille le chat avec la caméra. La caméra! Le verrouillage te permet de ne pas perdre un adversaire de vue. Tu peux toujours déplacer la caméra quand ce mode est activé. Appuie de nouveau sur R pour l'annuler. Très bien. Merci, Roxas. Est-ce que vous avez été cambriolé? Merde, est-ce que vous avez été cambriolé, vous aussi? Hélas, oui, on m'a pris de précieux souvenirs. On vous assure qu'on y est pour rien. Je vous crois. Merci. Qu'est-ce qui vous a été volé? Des... auxquels je tenais beaucoup. On dirait que notre voleur ne dérobe que des... Oui, et le mot a disparu. Aussi. Pour faire ça, il doit être plutôt doué. C'est un truc qui ne marche qu'à l'écrit, hein, d'ailleurs. Peut-être que Cypher sait quelque chose. Allons lui demander, il est à la place des fêtes. Le look boys band des années 2000. Bah, c'est sorti dans ces années-là. Hein. C'est carrément sorti dans ces années-là. Il est métal voleur, un peu, ouais. Allez, le chat, essayez de deviner. C'est vrai, faites des théories, n'hésitez pas. Je vous donnerai pas les solutions, mais... OMG, mais qui sont ces personnages? Sortis tout droit d'un Final Fantasy. Thieves. That was low, you know? Oh yeah? Nice comeback there, Blondie. What'd you say? You can give us back the... now. Yeah, you're the only ones who would take it, you know? That was undeniable proof that we totally owned you, lamers. So what did you do? Burn it? Not that we need some to prove that you're losers. Losers? Replay. Now you're talking. Oh oh. I guess if you get on your knees and beg, maybe I'll let it slide. Tra les deux boys band quoi. Roxas! Mais qu'est-ce qu'il fout? OMG! Ce tuto! Il y a trois armes au sol! Mais qu'allons-nous choisir? Au ralenti! À ta place, je prendrai l'arme du milieu pour mettre une bonne raclée à Cypher. Observe bien ton adversaire quand il baisse sa garde. Contre-attaque! Comme ça, tu es sûr de gagner. L'arme de droite n'est pas mal. Elle peut servir pour le struggle. Elle doit être très maniable. Je peux leur parler ou pas? Cypher, il est trop puissant! Alors c'était ressemblant, j'imite bien Ray, non?
Et on peut discuter avec eux avant de les taper, c'est trop bien. Trop facile. Alors, tu te décides? Bruit 3 d'armes, c'est une arme, n'importe laquelle. Ça, il fera pas d'énergie à gaspiller avec vous. Il garde ses meilleures attaques pour quand il est en danger. Ça change du monde des vitraux, oui, c'est vrai. Alors. Ce bâton a une garde, il est approprié pour la défense. Privilégier la défense. En fait, il y a défense, attaque et magie. Hein. En vrai, on est en expert. Je sais pas exactement ce que ça change, mais je vais prendre la défense. Ils attendent que tu level up avant de vous fight, c'est un peu ça, ouais. La sérénité t'envahit, défense plus 1. Au moins, dans ce jeu-là, ils précisent ce que ça fait quand tu choisis. Hocus focus. En bas à droite se trouve la jauge de HP. Elle diminue quand tu subis des dégâts. La partie s'arrête quand elle est vide. Regardez, l'interface à gauche, elle bouge. Elle est animée cette fois. Et elle est contextuelle en fonction du monde. OMG! C'est le futur. C'est un tuto d'interface. Mesdames, messieurs, c'est exactement ce sur quoi je travaille dans mon boulot en ce moment, des tutos d'interface comme ça. C'est plaisant. Ça me fait rire de voir que le mien est plus avancé. Je flex. La jauge bleue et la jauge de MP, son pouvoir n'est pas encore activé. Quand tu t'approches d'un adversaire, une marque jaune apparaît. Appuie sur A pour attaquer. Approche-toi de Cypher et attaque-le. Est-ce qu'il va esquiver? Allez, viens là, Bolos. Bienvenue au boulot. C'est un peu ça, ouais. Toi, tu vas faire un HD en fonction du monde où tu es. Non. Hélas. Est-ce qu'on va me dire c'est overkill, lol? Face à un adversaire, enchaîne les coups pour déchaîner de puissants combos. Appuie plusieurs fois de suite sur A. L'attaque a aussi une fonction défensive car elle peut te permettre de parer les assauts de tes adversaires. Bagarre! Come on. Quit playing around and fight. Je t'avais dit quoi en MP? Un seul coup par combo. Non, ça n'arrivera pas, Hiroaki. Hiroaki, il voulait que je fasse Kingdom Hearts 2 en ne mettant qu'un coup par combo, comme ça. Ça n'arrivera pas. Je vais lui péter la gueule. Classique. Vas-y, Roxas, donne tout! Oh merde! Je peux parer ou pas? Non, pas encore. So long! So long! Et boum! Let's go, Cypher! Je comprends pas, elles sont où les cartes du coup? Les cartes ont disparu, OMG! Un vrai jeu! Cheese! Qu'est-ce que c'est? Le voleur! Qu'est-ce que c'est que ce machin, putain? Il a un symbole bizarre sur la tête. Tu, 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 tu. Allez, ça part en chasse et ça fait main basse. Vous avez la ref? Il est bizarre. Il fait flic-floc. Est-ce que vous vous souvenez de cet endroit? Ceux qui étaient là sur Chain of Memories, est-ce que ça vous dit pas quelque chose, cet endroit? Capturé. J'ai voulu le taper, moi. Et pas uniquement, Erwan. Nous sommes venus à vous, maître. Mon dieu, sa bouche est une fermeture éclair. Combat l'ennemi inconnu. Let's go. J'arrive pas à le toucher. Aïe. Oh, je peux faire des glissades pour esquiver. Mais il fait des trucs chelous. Ninja! Il y a des actions contextuelles. Mais pourquoi je ne peux pas le taper avec mon épée de Struggle?
Oh! What is this thing? Mais je connais cette arme! C'est la Keblade, mesdames, messieurs! Et pas n'importe laquelle. Pourquoi ce personnage inconnu possède une Keyblade? Et là, ça fonctionne. Ouais, ils mettent mal à l'aise un peu. Hop là! Hop là! Wow! Boum! Une chaîne royale! C'est comme ça que ça s'appelle la Keyblade, ouais. Il a scanné une Keyblade! il a imprimé en 3D une Keyblade, ouais. Approche-toi des orbes qui ont laissé tomber les ennemis vaincus pour les ramasser. Les orbes jaunes rapportent des munis, tandis que les vertes redonnent des HP. Très bien. Oh non. Mon arme. Il a fait tomber des photos. C'était donc ça qu'il avait volé. What's this? I was his first customer after he took over the shop. So we took a picture together. It's a really nice photo. Oh. Hey, you just said photo. So, Roxas, tell us about the picture thief. Not much to say. The pictures were just lying there. Then how do we prove we weren't the ones who took them? It's a girl. You look happy, Roxas. Do not. Il a la même tête que tout le temps. Hein. Anybody else notice that all the stolen pictures are of Roxas? J'avoue. Oh. So that's why everyone thought it was us. And Cypher didn't go around accusing us after all. Are they really all of me? Yep. See? Look. Right? Every single one. Wouldn't it be weird if the thief wanted to steal the real Roxas or something? Come on, get serious. Why would anyone want to steal a bonehead like Roxas? Un molasson, quoi. Il est dans un animus, en fait. Un animus? Comme dans Assassin's Creed? Un amoureux caché de Roxas? C'est toi, Hiroaki, qui a volé les photos? Parle mieux de Roxas. Peut-être. Il a des bracelets comme moi quand j'étais au lycée, putain. Les petits bracelets en laine à carreaux, là. Est-ce que c'est pour ça que je portais ces bracelets-là? C'est possible, en vrai. C'est pas impossible. Where am I? D'ailleurs, je les ai toujours. Who's there? Who are you? Restoration at 12%. 12% de restauration, quoi? Allô? OMG! Organization miscreants. C'est Diz. Found us. But why would the nobody steal photographs? Both are nothing but data to them. Les simili. The fools could never tell the difference. We are running out of time. Namine must make haste. Come at you out of nowhere, as long as you continue to wield the Keyblade. Hey, why don't you come with us? We can go to other worlds on our vessel. Sora, go with them, especially if you want to find your friends. Name's Goofy. I'm Sora. I'll go with you guys. The Heartless have great fear of the Keyblade. Putain, je viens de tilter un That's truc. That's right. The Keyblade. So, this is the key. But the boy is a problem. He found one of the keyholes. Trop bien, le résumé complet du jeu, t'avais même pas besoin de jouer au 1. C'est vrai, il y a un... les épisodes précédents dans les rêves de Roxas, c'est génial. A
Keyblade? Je viens de tilter un truc avec ce rêve, avec les morceaux glitchés un petit peu à l'ancienne, avec les erreurs de télé et tout ça. J'étais pas conscient de ça, mais peut-être que ça m'a vachement inspiré pour les montages de Gensu Reva, parce que c'est un truc que je fais super souvent en vrai. C'était gravé dans mon inconscient. Oh. Sorry about that. C'est qui? Mais qui est cet homme? Thanks. Do you guys think we'll always be together like this? I sure hope so. Huh? Where did that come from? Well, you know, just thinking out loud. Well, I doubt we could be together forever. But isn't that what growing up's all about? What's important isn't how often we see each other, but how often we think about each other. Right? C'est vrai. Get that off a fortune cookie? Une vraie raison. No more ice cream for you. Appliquez-le dans la vraie vie. Today's turning out to be a drag. Et arrêtez de me saouler quand Maybe je vous envoie pas de message. Yesterday's memory thief. J'envoie des messages personnels. You know what it is? We don't want summer vacation to be over. That's all. So, how about this? We all go to the beach. Why do we go to the beach? Because we haven't gone once this entire vacation. Blue seas, blue skies. Let's just get on the train and go. No? Oh, come on. Maybe you forgot, but we're broke. Maybe you forgot I'm smart. Il va aller faire les petites annonces. Allô, Xarluk ! Non, tu n'es pas ciblé, Hiroaki. Tu as des rares qui est pas ciblé, d'ailleurs. Comment il va, Xarluk ? Approche-toi du cercle lumineux pour faire apparaître la commande sauvegarder. Appuie sur X pour afficher le menu correspondant et sauvegarde ta partie. Mais oui, Kingdom Hearts 2, OMG ! Parlez-en autour de vous. Les points de sauvegarde sont disséminés un peu partout, en les touchant tu récupères tous tes HP et tes MP. Dépêche-toi Roxas. Eh ben j'arrive. Exactement Hiroaki. On va au centre-ville. D'accord. Oh, j'ai eu une carte. OMG, ce streamer joue à quel jeu en 2023? À Kingdom Hearts 2. Oh, le socket board. Oui. Oh, je me souvenais pas de ça. C'est Tony Hawk, OMG! Est-ce que j'ai déjà un petit carnet? Non, j'ai pas de menu pause. Donc j'ai pas de petit carnet. Ce gang de lycéens des années 2000, mais ouais! Avec des skateboards! On va visiter un peu la ville, peut-être, un peu, avant. Les autres m'attendent au centre-ville. Ok, my bad! Il est toujours derrière, quoi. Just 2 days to go. You and I have to make the finals. That way, no matter who wins, the four of us split the prize. Okay, you're on. You two are gonna clean up. Go get him. It's a promise. La bagarre. Bon, passons aux choses sérieuses. Un billet pour la plage coûte 900 moonies. Multiplié par 4, ça fait combien? 3600 munis. Plus 300 munis chacun à dépenser sur place. Alors ça fait combien en tout? 1200 munis, soit 4800 munis au total.
Tu veux acheter quoi là-bas? Des gaufres, ça pourrait être sympa, non? J'aimerais autant manger une pastèque. Oh, dégueu, c'est nul les pastèques. Trop cher, une pastèque c'est au moins 2000 munis. Va pour une gaufre alors. Bon, reprenons. Il nous faut 4800 munis. Voyons ce que nous avons. Moi j'en ai 800. Moi 650. Et moi seulement 150. Ça nous fait 1600 munis, il nous en manque 3200. Et lui, il a rien, Einer ? Trouvons-nous des petits boulots pour gagner ce qui manque. Il nous faut 800 munis chacun avant le départ du train. Bon, rendez-vous à la gare avec les poches pleines. Il avait pas dit qu'il s'en occuperait tout seul. Oh, le flemmard ! C'est moi le mollasson, après. Peu importe, l'essentiel, c'est qu'on puisse manger des gaufres. On joue le plus pauvre jeu anti-capitalisme, peut-être. Consulte-le pour voir ton état et le montant des munis que tu possèdes et modifier les paramètres, il n'est pas accessible lors des combats. Le carnet de Roxas contient des indices sur ce que tu dois faire ainsi qu'un récapitulatif des événements. Ah bah voilà, on a un carnet. Bon, y a pas grand chose. L'idée d'Einer est de faire des petits boulots pour gagner des munis qu'il nous manque. Rendez-vous à la gare avec des munis. C'est tout ce qu'on a. Alors, tournée du facteur. Quelqu'un voudrait-il distribuer le courrier à ma place? Oui. Ah, let's go, c'est, ça part direct. Livre tôt le courrier, soit le plus rapide possible pour gagner un maximum de munis. C'est en skate, OMG! Ah, merde, je vais pas donner. Reviens. Je peux grinder, j'avais pas vu. Y'a un piou-piou! 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 Let's go! Le plus rentable, c'est le facteur, by the way. Ok. Je vais tous les faire, moi. Merci, tu as été d'une grande aide. 50 munis. Ensuite, on a monte charge. Cherche homme fort pour transporter une lourde charge. Ah, c'est sexiste. Ok. C'est une autre époque. Pousse le chariot jusque dans le garage en haut de la côte. Frappe le chariot avec ton arme, tape au bon moment pour le propulser plus loin. Sois prudent, manipuler le chariot peut être dangereux. C'est un peu vénère comme technique pour faire monter ce chariot. En termes de temps, minutes, c'est le mieux. Ouais, j'imagine. Non ! Il est brisé à la fin. Ça valait le coup, tiens. Pas mal. 30 munis, ok. Et enfin, nous avons tour d'adresse. Cherche artiste de rue pour épater la galerie. Épate les spectateurs en jonglant. Ne laisse pas la balle toucher le sol. Plus la balle reste longtemps en l'air, plus tu gagnes de munis. Épatons la galerie. Comme j'épate la galerie, les gars. Wow ! OMG ! Alors, vous êtes épaté ou quoi ? J'ai eu chaud. Je sais pas si c'est pas ça le plus rentable. Tant que tu fais pas tomber la balle. Si tout va bien. C'est mieux que les cartes, hein, le gameplay quand même. Ça peut durer longtemps. Hein. Oh putain, mais j'ai 5 essais en plus. Merde. Je
Je le fais pas exprès, je vous jure. Intéressant, non? Les cartes supérieures à Hall, non. Vraiment pas. Ok, bon. J'ai peut-être eu de la chance sur le premier combo. J'ai fait 68. Ouah, t'es le meilleur. 50 moonies. Ah ouais, t'as raison, le facteur, c'est plus rentable. Est-ce qu'il y a d'autres trucs? Einar a dit qu'il s'occupait de tout, mais je me doutais que ce serait un coup comme ça. Tu peux trouver des annonces sur ce panneau ou sur celui du circuit du tram. Ok. Je crois que Einar nous attend sur la place de la gare tout en haut de cette côte. Il doit avoir des choses à faire de son côté. Moi aussi, je vais faire de mon mieux. Parce que pour le moment, vous stagnez, quoi. Place de la gare, circuit du tram. C'est moi qui fabrique les armes pour le tournoi de Struggle. Je suis trop débordé pour tenir la boutique en même temps. Ok. Je suis épuisé de monter et descendre cette pente pour distribuer le courrier. J'aurais vraiment besoin de quelqu'un pour me donner un coup de main. Tu n'aurais pas envie de faire un numéro en public? Je cherche un jongleur mais personne ne répond à l'annonce. Oh. On connaît toujours pas leur nom alors que c'est un peu Osef, tiers JPP. Oui. C'est vrai qu'ils n'ont pas donné leur nom encore. On va voir les annonces qu'il y a ici. Collage d'affiches. Cherche couleur d'affiches rapide et efficace. Allons-y. Trouve les emplacements disponibles et appuie sur X pour coller les affiches. Quand plusieurs emplacements sont juxtaposés, appuie rapidement sur X pour coller les affiches. Sois le plus rapide possible pour gagner le maximum de muni. C'est rigolo. C'est pas un skate qui traîne? Je peux pas faire de roulade. Il est grand ce monde, hein. J'ai l'impression de redécouvrir des endroits parce que ça fait super longtemps que j'ai pas joué à ce jeu. Je me souvenais pas que c'était aussi grand la ville du crépuscule. J'aime bien la transition, taper tout ce qui bouge à vie normale d'un jeune. La première fois, j'ai détesté, mais maintenant... Oui, c'est vrai que ça fait bizarre. L'intro de ce jeu, quand j'étais petit, j'avais pas compris. J'étais en mode, mais il est où mon Kingdom Hearts? Super, merci de ton aide. 100 moonies. Ok. Extermination. Cherche exterminateur de guêpes dardard. Oh, c'est marrant. Élimine les guêpes. Les guêpes, c'est nul. Attention, les guêpes attaquent après s'être immobilisé. Chassez le plus vite possible pour gagner plus de munis. Aïe. On défonce des guêpes à coups d'épée, quoi. C'est où les Keyblades et les 100 cœurs? C'est vrai? C'est où tout ça? Il y a un perso avec une Keyblade et c'est écrit cage dans le titre, c'est pas suffisant. C'est vrai qu'il a une Keyblade, hein, quand même. Il a généré une Keyblade à un moment donné. Hein. Mais de manière bizarre. D'habitude, quand tu génères une Keyblade, c'est de la lumière blanche et pfiou, il y a une Keyblade. Là, c'était pas pareil. L'épée, tu l'as vu 10 secondes, montre en main, pour le moment. Qui veut m'aider à déblayer des tas de ferrailles? Ben, bien sûr. À foutre. Il y a une Keyblade numérique? Peut-être.
déblayer les débris qui jonchent la zone. Essaye de protéger les débris les uns des autres. De projeter les débris les uns sur les autres. Frappe un minimum de coups pour gagner un maximum de munitions. Je suis sûr qu'il y a des gens qui speedrun ce passage en étant trop fort avec, avec ces mini-jeux là. Je serais curieux du speedrun de Cage 2 en vrai. Je crois que c'est genre 2 ou 3 heures, un truc comme ça. Tu nous manipules, c'est pas un vrai Cage, à gougou. Je vous jure que si. Vous allez comprendre et adorer une fois que l'intro sera passée. Vous allez adorer l'intro une fois qu'elle sera terminée. Vous allez comprendre des trucs, plein de trucs, des milliards de choses. Plutôt moyen, on va dire. Excuse-moi. 30 moonies. Le speedrun, c'est... facteur, tu mets 10 secondes par try, ça se boucle en 2 minutes max, ouais, j'imagine. Bah, go facteur alors. Hein. Il me faut 800 moonies. Et j'en ai. C'est marqué quelque part. 460. Ça va vite. C'est effectivement rentable. Tu étais d'une grande aide. 50 moonies. Le 10% sur Final Mix est de 2h46. Waouh. Je serais curieux de mater une reine en vrai. Merci Vente, Vente, le CM. Quel plaisir. Pas l'avoir facilement ce piou-piou là. Quoi, y'en a un que j'ai oublié? J'ai oublié qui? Ah ok. Le All World de 3h46 et le JJ 100% de 9h15. Ouais d'accord. Pas si mal. Ah ouais, j'ai mis trop de temps. En vrai, ils auraient dû faire en sorte que... Ils auraient dû faire en sorte que... une fois chaque mini-jeu, c'était suffisant pour obtenir le montant. Ouais. C'est 800 qu'il faut, hein. La partie un peu chiante de l'intro, en vrai. Ouais, j'avoue. Ça va, vous, le chat? Je suis toujours extrêmement hypé, perso. Le background du jeu sur speedrun.com est vraiment stylé wallpaper tier. Ne partez pas, le chat, ce sera mieux après. Ne partez pas. Oui, ne partez pas. Restez. À l'aide. S'il vous plaît. Me laissez pas tout seul dans ma hype. Je l'ai raté encore, le mec. Pourquoi tu livres des lettres à des pigeons? J'ai pas prévu de bouger perso, nickel. Ne vous laissez pas désabuser par cet ensemble de quêtes FedEx. Non, il y a beaucoup de choses à retenir entre les quêtes FedEx. Je vous jure. Narourou! Aboubou! Give us back notre rourou. Des bisous, Rourou.
C'est les pigeons de Pizderman. Pigeon. C'est vrai, c'est les pigeons. J'essaie de faire le plus vite possible, histoire de voir si elle me met pas sans Moonies si je fais un truc dans un autre ordre. On y est presque, hein, je pense. Ah bah c'est bon. Job's done. On se casse. Rien que l'intro, c'est long. A mon avis, il y a des strats, Hiroaki. Je regarderai une run de KH2 en speedrun. Bien joué, Roxas. Continue à travailler. Non, c'est bon. La flemme. PC plus 1. Cool. Point de compétence, hein, PC. Bon, tout le monde est là. Combien on a? Voyons voir. Tout ça. Bien joué, Roxas, t'as assuré. Ouais, je sais. Nice work, everyone. Added to what we started with, we now have... Ta-da! 5,000 money! Sweet! Let's get tickets. We can't be together forever, so we better make the time we do have something to remember. Huh? Gotcha! Bizarre, mec. T'es chelou, quoi. Petit sac Kuzuma, il contient 5000 munis durement gagné. Oula! Qu'est-ce qu'il... Huh? Ah. Allô? Du plot! What? Roxas! 3 minutes! Okay. Ils l'ont pas vu. Y a que moi qui peux le voir. 4 students! Roxas! The money! Wait! No! Huh? He took it! Where are you going? Remember when I fell? I had the money before that. I bet that guy took it. Guy? He couldn't have gotten too... far? What are you talking about? There was no guy. Huh? But he... There wasn't? Really? Oh boy. There wasn't anyone... there? Come on. Ça ramouille un peu, c'est le cloud. Hein. Motif de fin de groupe de potes, ça je reconnais. Oh non, quand même. It's melting. Sorry. Cheer up already. That was definitely weird though. Strange. Cet endroit, ouais. Can you feel Sora? Il a dit can you feel Sora? Can you feel Sora? Restoration at 28%. Namine, hurry. Is it really that hard to make a beach? We'd be giving the enemy another. Créer une plage. And this? We can always buy some sea salt ice cream. Objects from that town must be kept out of the real world. You can delete that. Il est pas dans le monde réel. As the key bearer, il est pas dans le monde réel, Roxas. One must not meddle in the affairs of other worlds. So many places I want to see. I know I'll get there someday. Le plot, les amis. Thus, I do hereby dub the junior heroes. Hey, what do you mean junior heroes?
You rookies still don't understand what it takes to be a true hero. I wish for your freedom, Genie. Al! Sally, why didn't I listen to you? Don't feel bad, Jack. We'll come up with another plan for Halloween. Next time, we'll do it together. Power! I am Mushu! Il y a une cinématique d'intro, d'invocation, ça me tue. Riku? What are you doing here? Que j'ai jamais utilisé en plus. Did you find her? I still can't believe it. It really flew. Wait till I tell Kai. I wonder if she'll believe me. Probably. Le mot Kairi n'est jamais prononcé en entier. I'm searching too. For your light. Est-ce que c'est pas une histoire de mémoire? Sora, ah! Where are you going? Ah! I'm gonna go look for my friends. Arrêtez, barrez-vous. Well, where are Donald and Goofy? Instead of worrying about them, you should be asking about her. Trauma. Elle est jamais mentionnée, elle est jamais affichée clairement, mais par contre elle fait la transition entre tous les souvenirs. Je sais pas si vous avez remarqué. Oh. Oh la Switch, tu saoules. Who are you? Namine. Huh? Qui c'est qui le regarde dormir? On n'a pas mentionné que dans l'intro, Kairi, elle avait grandi. La première fois que j'ai vu ça, j'ai dit blablabla. C'est vrai qu'on l'a pas dit, mais dans ma tête, pendant la cinématique, j'étais en mode blablabla. Rendez-vous à la gare, la plage nous attend. T'en fais pas pour l'argent, Einer. Première fois que son nom est prononcé. Bon, je vous laisse vite fait avec la musique. Partez pas, je vais faire pipi. Faut que je fasse pipi et je vais m'en faire un café au passage. Einer égale Leblon, ouais, tout à fait. J'arrive tout de suite. Bougez pas. Bougez pas. J'arrive. Promis, ça va être bien.
Allô ? Vous êtes là ? Zwip, bonjour, allô ? Le jeu vidéo, c'est bon, j'ai un café. Let's go. On va à la plage. Allô ? Hey ! Morning ! Oula ! Les choses s'accélèrent, mesdames, messieurs. Le plot s'accélère. Hello, Roxas. Hi. Elle a grandi un peu, Naminé, aussi, non ? I wanted to meet you at least once. Me ? Yes, you. C'est tout ? Olette dragged me along to go shopping. Olette, elle s'appelle. Hey, you wanna come with us? Wait. Did you just see that? He's stalling. Very well then. We'll see you later, Roxas. Okay? Yeah. Eux aussi sont un peu bizarres. Did she go to that haunted mansion? On n'avait pas rendez-vous à la gare. Mais c'est bizarre comme technique pour que les gens te suivent. Dis-lui, suis-moi, STP, et va avec lui, juste par pas mystérieusement en lui tournant le dos. Hein ? Oh non ! Du coup, c'est des simili. C'est ce qu'ils ont dit tout à l'heure. Hey, chicken wuss. Who's that? I don't know, but they've already crossed the line. Find a weapon. Bagarre. Mais tu sais que ça marche pas. Cette épée, elle marche pas. Est-ce qu'ils se battent? Oh, il le tient en respect. Merde, je peux pas y aller. Ils les tiennent en respect. Moi, j'ai mon ennemi à moi. Mais je sais que ça va rien faire. Aïe. Du coup, on n'est pas dans le monde réel, visiblement. Il est dans une simulation. Mais pourquoi il y a des méchants dans la simulation? C'est des bugs? Not good. Ils ont été stoppés. Les méchants en ont après lui, pas après les autres. Use the keyblade. Allô? Coucou Matt, comment tu vas? Bonjour. Oh. Wow, les frissons. OMG. Il est en train de vivre la même chose que Sora. What the fuck. Ça va très bien, Matt. On est sur Kingdom Hearts 2. C'est le gigafeu. J'adore ce jeu. Du coup, on est d'accord. Ce robuste bouclier pourrait parer n'importe quel coup. La défense était l'importante. J'avais dit que je prenais la défense cette fois. J'ai pris l'attaque dans le 1, je vais prendre la défense dans celui-ci, surtout qu'on est en expert. Le pouvoir défensif est tien. Mais du coup, est-ce que je me bats avec le bouclier ou est-ce que je me bats avec une épée quand même? Ah. Là, elle est apparue dans la lumière. Parce qu'on est dans la tête de Roxas. On est dans la tête de Roxas qui lui-même est dans une simulation. Il est en train de vivre son initiation à la Keyblade, comme Sora. Et par contre, cette fois sur les vitraux, c'est pas les princesses de cœur, c'est Sora, Riku, Kairi, Donald et Dingo. Aïe. Yeah.
Putain, ils ont un paquet de vie. Oh, boum! J'ai gagné pirouette! Rock ça a maintenant accès aux compétences, active-les dans le menu principal. Tu gagnes des niveaux et améliores tes caractéristiques en remportant des batailles importantes. Ton niveau augmente également en fonction de l'expérience que tu accumules en battant des ennemis. Si certains adversaires sont trop coriaces, essaye d'augmenter ton niveau avant de les affronter. Classique. Les persos du 1 sont devenus des princesses? Je sais pas si c'est ça que ça veut dire. On est dans un tuto, l'initiation à la Keyblade. Du coup, j'ai des compétences. Active les compétences des personnages pour accroître leur capacité. Les différentes compétences ont des effets variés. Pour qu'une compétence fasse effet, il faut l'activer au moyen des points de compétences. Sélectionne un personnage dans le menu compétences. Choisis une compétence, valide ton choix et sélectionne pour activer. Comme dans le 1, donc. Limite dégâts. Réduit les dégâts subis de moitié en cas de danger. En activer 2, déclenche l'effet plus tôt. Est-ce que c'est la compétence que j'ai eue en prenant le bouclier? Je ne sais pas. Appuie sur B pour te rétablir en l'air après avoir encaissé un coup. C'est chouette ça. La pirouette. Notamment Riku, il a une jupette. Là, il a une jupette. Ah oui, Riku la princesse parce qu'il a une jupette, c'est ça. Mais enfin, Hiroaki. Une potion. Appuie sur la commande ajoute la commande objet. Appuie sur les flèches pour choisir l'objet. Appuie sur A, sélectionne ensuite l'objet pour utiliser. Appuie sur L et A pour accéder au raccourci. Tu peux modifier cette config dans le menu principal. Ah oui, il y a des raccourcis ici aussi. Mais il y avait des raccourcis pour des sorts dans le 1. Est-ce que là, il y a des raccourcis pour les objets? Sois prudent. Derrière cette porte, t'attends un monde entièrement nouveau. N'aie crainte. Va de l'avant. Normalement, la partie s'arrêtera si tu perds tous tes HP. Récupère-en quand leur niveau baisse. Ah oui, j'ai un raccourci avec des potions. Ça n'a jamais été dit que ça représente vraiment les vitraux. Je ne suis pas sûr, Hiroaki. J'ai pas souvenir de ça. Il doit y avoir des théories, mais... D'ailleurs, c'est le... j'avais jamais remarqué, mais dans le fond, c'est l'île du destin. Il y a un fruit Kaoku ici. C'est cool d'analyser les vitraux. Hein. Pour moi, c'est l'initiation à la Keyblade, ces vitraux. C'est juste un espèce de palais mental que les porteurs de Keyblade visitent à chaque fois que... Enfin, au moment où ils deviennent des porteurs de Keyblade. C'est mon interprétation, en tout cas. Parce que t'as fait une phrase subtile, donc je pensais que ça avait été dit ce que c'était. Non, c'était pas une phrase subtile pour le coup. C'est juste un comparatif que dans le 1, Sora, sur les vitraux, il voit les princesses de cœur. Par contre, c'est toujours les mêmes vitraux là. Il y a un seul vitrail avec la vie de Sora. Mais. Je vous dis pas pourquoi, mais c'est legit que Roxas. Mette que ça en tête. Je suis en train de me faire arracher. Putain, c'est vrai qu'on est en expert, OMG. Faut que je fasse attention, même dans le tuto. J'ai gagné de la défense. Et de la thune. Je gagne de la thune dans ma tête, c'est génial. Tu as dit, on est dans la tête de Roxas. C'est ça qui est subtil. Ah oui, oui. On est dans la tête de Roxas. Enfin, pour moi, c'est mon interprétation, parce que quand Sora est allé dans ce palais mental dans le 1, je ne sais pas pourquoi il voyait les princesses de cœur sur les vitraux, mais en tout cas, on était dans sa tête. Donc là, à mon avis, on est on était dans sa tête juste avant qu'il invoque la Keyblade pour la première fois. Qu'il n'avait pas à la main dans le palais mental, d'ailleurs. Il l'a bien après.
Par contre, c'est pas des sans cœur, ça, du coup. Ce sont des simili. C'est ce que disait Diz au début, ce sont des simili. Comme les membres de l'organisation qu'on a vu dans Chain of Memories, qui disaient être des simili. Et ce qu'ils expliquaient dans Chain of Memories, c'est que les simili, c'est ce qui reste du corps quand les sans-cœurs ont volé le cœur d'un être. C'est des coquilles vides. Et à la fin de son palais mental, Sora avait affronté le Darkseid, qui était un sans-cœur géant. Visiblement, on a son équivalent simili. Et c'est logique que dans la tête de Roxas, il y ait des simili, je vous dis pas pourquoi. T'as commencé avec H2, ça m'a motivé à continuer les mangas et j'attaque Chain of Memories. Du coup, ils ont fait le choix de faire évoluer les histoires de Sora et Riku en parallèle. Le choix est assez sympa. Oui, c'est même plus logique. Utilise les commandes d'action pour vaincre l'ennemi. Ah, à l'aide! On m'a enchaîné. Oh, ils sont flippants, les simili. Oh les. Oh la baffe! Nous apprennent à utiliser les commandes d'action. Oh, c'est trop stylouse. Par contre, le fait qu'ils soient bleu-bleutant, les simili, c'est toujours un petit peu malaisant. C'est le but, hein, mais... Oh putain. Fracasse! Ça doit faire mal. Faites-lui la gueule. Je peux pas encore voir leur barre de vie. Par contre, ils ont un délire avec les fermetures éclair, les simili. Avec les glissades, ça me permet de monter au niveau de son visage. Aïe. Perturbant, mec. Hein. J'en chie. Aïe. Mort dans le tuto. Le mode expert, bonsoir. Oh merde. Oh, je reviens super loin du coup. J'avais pas activé Pierrot au passage. Les animations de simili, un peu what the fuck-esque, c'est trop bien aussi. Mais moi j'aime bien, parce que ça donne une atmosphère, mais... C'est quand même bien inquiétant. J'avais oublié que j'avais une potion. Je suis trop con. En fait, j'aimerais bien pouvoir avoir leur barre de vie, c'est surtout ça. Pour me situer. Deux potions même. Oh putain, j'allais boire un café. Une gorgée de café, c'est pas le moment.
Bah, il va falloir faire du gain d'XP un peu plus souvent que dans le 1 du coup. Mais ce sera plus sympa que dans Chain of Memory. Je vous le dis. Je vous spoil. Et non, c'est pas un semi-simili le gros là. Il y a des cartes aussi dans les mangas. Oui, parce que ça fait partie du scénar en fait. C'est pour ça, en fait les cartes sont vraiment au cœur du scénario dans Chain of Memories. C'est pour ça que quand ils ont fait le remaster pour PS3, ils ont été obligés de garder ce gameplay. Parce que ça faisait partie intégrante du scénar. En tout cas, c'était mon interprétation, ça n'a pas été officiellement dit comme ça, mais... Ils ont beaucoup de vie, hein. Par rapport au 100 cœurs du tuto du 1. Et une potion en plus. Très bien. Faut pas que j'hésite à m'en servir contre le méchant. Bagarre! Ils auraient pu les rendre moins importantes dans le gameplay, c'est vrai. C'est vrai, mais c'était touchy à mon avis. Attention, apparition du méchant! Bonjour! Ouf! Je t'attends. Au moins là on va pas me couper dans mon élan quand je voudrais me soigner par rapport à Chain of Memories. Boom. Fracasse. Bon mec. Il y a d'autres méchants. J'ai été soigné là ? Là j'ai été soigné. Ah, il donne de la vie quand je les tue. Galère, hein, je vous le dis. Ok, faut que je tue les autres. Sinon je vais pas m'en sortir.
savais pas que c'était aussi dur ce combat de boss, OMG. J'arrive pas à placer mes glissades. Ok, il va me rechoper. Allez, on la refait. J'ai plus qu'une potion. Tu l'as déjà fait, Roxas, tu peux le refaire. Coucou. Le fracasse. Boum. Allez, on l'achève cette fois. Finis-le. Même pas, putain. Oula, qu'est-ce qu'il fout? Mais c'est quoi ce boss, OMG? J'arrive pas à le toucher. Oh, je l'ai eu, c'est bon. Let's go. Contrairement au Darkseid dans le 1 qui est vraiment facile à battre, lui, c'est une autre paire de manches. Merci Matt. C'est gentil. My name is Naminé. Roxas. Do you remember your true name? Say no more, Naminé. But if no one tells him, Roxas will... It's best he doesn't know the truth. Hey, you're that pickpocket! Cypher, strike a pose, you know? How's this? That's totally perfect, you know? You know? How about one more, you know? Arrête de dire you know. Keepsake. Those freaks in the white jumpsuits are gone, you know? Cakewalk. What were those things? Outsiders, that's what. And if they don't wise up to the rules around here, I might have to take disciplinary measures. Mais tu te prends pour qui, Cypher? Oh yeah. Cypher's always looking after the town, you know? You know? Salut les copains. Non, non, tu vas faire un drama, toi? Hey, no chickening out of the tournament tomorrow. We'll be waiting, you know? C'est parce que je suis pas allé à la gare et que du coup il me retrouve en compagnie des autres, donc il est jaloux, c'est ça? Putain, les gosses. So, you hung out with Cypher's gang today? No, it's not like that. Oh yeah. How was the beach? Wasn't that today? We didn't go. It wouldn't be the same without you, right? Sorry. Hey. Pourquoi il explique pas? How about we go tomorrow? We could get those pretzels and I promised I'd be somewhere. Oh. Oh.
Oui, le combat de struggle, monsieur. You and I have to make the finals. That way, no matter who wins, the four of us split the prize. Okay, you're on. You two are gonna clean up. Go get him. It's a promise. I'm out of here. Quel drama queen. Des caisses, hein. Des caisses. 48% de restauration. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Was that nominee made of data? No. Nominee hijacked the data herself. Look what she's done now. She's totally beyond my control. Calm down. It doesn't matter. As long as Namine accomplishes her goal, we needn't worry about what befalls Roxas. Le pauvre. It's up to me. Only the Keyblade Master can open the secret door and change the world. Well, I'm not gonna betray Sora either. I'm blinded by Sora. My friends are my power. So your heart won this battle. Putain, la Switch, tu m'énerves. Il y a même des scènes du boss secret de KH1. It is I, Ansem. Lead me into everlasting darkness. Sora! Forget it. There's no way you're taking Kairi's heart. Kairi. Pour les pixels. We may never meet again, but we'll never forget each other. No matter where we are, our hearts will bring us together again. Take this. It's my lucky charm. Be sure to bring it back to me. Don't worry, I will. Promise? Don't ever forget. Wherever you go, I'm always with you. Pas les frissons. C'est le taux d'occupation en restaurant de la zone. Quoi? C'est possible. Je pense pas. Hein. Je pense qu'il restaure autre chose. Right. Promise. What a mess. Quel bordel. Allez, on va faire un petit tournoi de struggle. Fonce à la place des fêtes, tu vas être en retard. À Boubou. Bagarre. Moustache. Se battre avec des bâtonnets de glace. Un peu, ça y ressemble. Setzer. Ah, quel BG, putain. C'est le tenant du titre. La bagarre. Hey now, it's time to introduce today's combatants. The four bad boys who
struggled their way through the preliminaries. Regular finalist and head of the Twilight Disciplinary Committee. Chef du comité disciplinaire. Completely out of nowhere. Who knew he'd make it so far this year? Vivi. Ouais. An underground favorite and local attitude problem. Hainer. Le petit loustique. And struggler number four, who happens to be my absolute favorite customer, Roxas. So, who will win this sweltering summer struggle? Who will take home the grand prize? The summa cum laude of struggle, the four crystal trophy. Le stylé, ce trophée. And a chance to take on our defending champion, Setzer. It won't be long now, folks. I suggest our challengers go over the official struggle rules before we begin. Trop bien, je vais pouvoir assigner des compétences. Rendez-nous la VF. J'avoue, j'aurais adoré que ce soit en VF. Hélas, sur la compilation, c'est pas possible.